Des faits dramatiques, une scène accablante. Elles se sont toutes rassemblées pour rendre un hommage à Razira et pour dénoncer toutes les formes de violence et de discrimination à l'égard des femmes. Aujourd'hui, nous sommes là pour condamner ce crime, un crime crapuleux. C'est une façon de rendre hommage à toutes ces femmes, à ces voix qui se sont élevées pour dire non à la violence. Il faut que ça s'arrête. Donc c'est Razira, le drame qu'a vécu Razira ne doit pas être considéré comme un cas, un fait divers. Toutes ces femmes réclament des lois qui les protègent. Que les lois soient vraiment sévères contre les auteurs de violences contre les femmes. Et il faudrait absolument que ça rentre dans la tête des gens, que la femme est un être humain, exactement comme l'homme, et la femme qui sort dehors n'est pas sortie pour embêter, elle est sortie pour vivre. L'espace public appartient à l'homme et à la femme. On regrette que ce genre d'acte soit possible dans notre pays et on espère vraiment qu'il y ait des sanctions par rapport à cet acte. Même les hommes ont participé à cette manifestation pour dire halte à la violence. Lutter contre la violence à l'égard des femmes, garantir la protection et la prévention, promulguer des lois condamnant les auteurs de ces actes odieux. Un message à tous les hommes, imaginez que ce soit votre femme, votre sœur ou bien votre fille.